Si toi aussi tu souhaites obtenir des cartes PSN, des cartes Steam, des cartes Xbox ou encore les tout derniers jeux à prix réduit, n'hésite pas à checker mon partenaire Eneba, le lien est dans la description. Yo tout le monde, c'est Fatboz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo gameplay review de la récompense du Limited de la saison 2, Jalen Brown. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce vers le haut, cela va nous permettre d'avancer et de gagner en visibilité. Après 6 semaines d'acharnement, 6 semaines de tryhard, 6 semaines de confusion, après les différents matchs de Limited que nous avons tous disputés, où nous avons tous espéré avoir la bague après un game, nous avons pu enfin obtenir Jalen Brown. Est-ce que cette attente de 6 semaines valait le coup pour Jalen Brown? Est-ce que ça valait le coup de transpirer en limited, de suer lorsqu'on voyait que la bague n'apparaissait toujours pas? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Bon visionnage à vous. Voici donc la carte de Jalen Brown. Jalen Brown qui est en diamant rose noté à 96. Pour rappel, cette carte était la récompense du mode limited de la saison 2. Jalen Brown, 1,98, 96 en attaque, 95 en défense. Peut jouer ailier et arrière. Concernant ses notes, il a 92 en tir de près, 91 en mi-distance et 92 à 3 points grâce au Adidas Superstar que je lui ai appliqué. Lancé franc 84, dunk en pénétration 95, contrôle de balle 86, précision des passes 85, contre 70, 92 interception, rebond 75, vitesse 88, vitesse avec la balle 84. Catch and shoot, pro de l'esquive, bâton sauteur, défenseur infatigable, trappeur, finisseur en compte showtime, spécialiste du coin, tir difficile. Il a tenaille en or, je lui ai rajouté également sniper, climatiseur, intimidateur, bref, tous les badges pour que cette carte puisse être vraiment incroyable. Comme vous avez pu le constater avec ses statistiques, il a des statistiques similaires à un Grant Hill ou encore à un Cameron Reddish, c'est-à-dire que en gros, c'est un 3 and D, un joueur capable de défendre dur sur l'homme, mais également un joueur très polyvalent et capable de tout faire en attaque. On va tester ça tout de suite en freestyle, on va se faire un petit avis avant d'aller en Unlimited. Nous voici donc sur notre fameux terrain, comme vous pouvez le constater, il ne possède pas toutes les hautes zones, mais il possède les principales hautes zones, notamment à 3 points. Concernant son shoot, il a une release assez lente, mais il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Une fois que vous maîtrisez son shoot, sincèrement, c'est comme tout. Hein. Je le répète souvent dans toutes mes vidéos, sur toutes les revues de joueurs, mais une fois que vous maîtrisez son shoot, vraiment, c'est du money in the bank. Donc, il a une release assez lente, avec une finition qui part très très rapidement. C'est vraiment la base qui est lente. Là, regardez. Ça ne rentre pas. Hop, là, on green. Mais il a un shoot vraiment bien spécifique à lui-même. Shoot qui nous permet de faire mouche. Comme vous le savez, hein, y a pas mal de full white qui rentrent. Donc l'essentiel, c'est que le tir rentre. Après que ce soit un full white ou un green, j'ai envie de vous dire, ça n'importe peu. Donc là, le dernier shoot. Allez, un dernier shoot si possible. Ça rentre. Concernant les dribbles, il est plus rapide que Cameron Reddish, balle en main, je trouve. Regardez, vous voyez, le quick stop, ça part vite. Là, regardez, on va s'arrêter. Hop, premier pas rapide. Et ça part au tomar très facilement, malgré le mètre 98. Là, le petit quick stop, hop, le petit hop, on s'arrête. Et on shoot à 3 points, on green. On va pas s'attarder dessus. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est le gameplay in-game. On va voir tout de suite qu'est-ce qui vaut réellement en Unlimited. Ça y est, on a trouvé un adversaire et on tombe contre une équipe composée de Damien Lillard, Michael Redd, Paul George, Kevin Durant et George Mikan. C'est parti. Et on a l'entre-deux. On va chercher immédiatement Jalen Brown. Alors, quelle rapidité en vrai, Zion. Trop rapide. Défend. Ressort. Bien joué. Stephen Curry. Le basket, c'est simple quand c'est comme ça. Mais faut marquer derrière. Jalen Brown, à 3 points, longue distance. Ça ne rentre pas. Jalen Brown, deuxième chance. Jalen Brown, poster. Dommage, ça ne rentre pas. C'est pas grave. Allez, Stephen Curry. Jalen Brown, tout seul. Jalen Brown qui ne rentre pas ça. Bâché, faute, and one, rien que ça, faute, and one, ça ne passe pas, faut pas laisser Curry tout seul. Eh ouais, il va y avoir un décalage dans ta défense, mon gars, si tu off-ball. Gros défenseur, Jalen Brown, regardez, il ne le laisse pas passer, vraiment, bien joué ça. Excellente défense de Jalen Brown, qui a défendu dur sur l'homme et qui envoie directement en contre-attaque David Robinson terminé au dunk. Pas de panier facile, on sent que ça écarte le jeu. Hop, jamais. Grosse défense encore une fois de Jalen Brown. Bien joué, belle dissuasion de la part de Jalen Brown. Qui envoie Cameron Reddish. On redonne à Jalen Brown. Jalen Brown, il va terminer tout seul. Jalen Brown, les deux premiers points de Jalen Brown qui est déjà à 2 points, 1 rebond et 2 passes. Arrête de contrôler que le pivot. Voilà.
Arrête de contrôler que le pivot. Regardez, il ne contrôle que le pivot. Du coup, hop, il peut rien faire. Eh oui, tu peux rien faire. Tu peux rien faire face à Stephen Curry. Tu peux rien faire. Aucun switch qui est fait en défense. Bien joué, regardez, Jaylen Brown, le gros défenseur. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire, Jaylen Brown. Bien joué. Oh là là, quelle défense. Quelle défense, quelle pression de Jaylen Brown et de David Robinson qui permettent à Stephen Curry d'inscrire un deuxième 3 points de suite. Incroyable défense, en vrai. Ouh. Rebond, dommage, ça ressort là-bas. Bien joué, grosse défense de Jaylen Brown encore une fois. Il est partout, hein. Il est vraiment partout, on dirait un feu follet. Et là, ça ressort à droite pour Cameron Reddish. Cameron Reddish dans le corner, le 2 points. Excellemment joué de la part de Jaylen Brown. Vraiment, il fait une grosse impression. Il est partout, que ce soit sur les inters, sur les contestations, sur les passes. Incroyable. On va chercher qui? Qui est-ce qu'on va chercher? Ah, dommage, contre-interception derrière. Contre-interception encore une fois. Et oui, attention. Jaylen Brown, tout seul. Et non, Jaylen Brown termine. Oh là là, quelle élévation en air, quelle élévation. Jaylen Brown, 4 points, 1 rebond, 3 passes. Il peut rien faire avec Westbrook. Il peut rien faire avec Westbrook. Bien joué la défense. Grosse défense. On ne sait pas comment ça rentre, mais on a très bien défendu. On a fait le taf. Et oui. Zion Williamson, quel patator. Quel bœuf, quel bœuf. Il n'y a pas d'autre mot que quel bœuf. Non, Shai, Shai face à... Jaylen Brown, c'est impossible, c'est impossible. Non! Heureusement, il n'y a pas N1 sur ça. Hein. Shai Gilgeous-Alexander face à Jaylen Brown. Pff, voilà! À force de rester coincé avec son pivot en bas, bah, tout simplement, il va se manger des posters tout le game. Et là, interception encore une fois. Jaylen Brown! Jaylen Brown, takeover activé, Showtime Hall of Fame. Allez, grosse défense. Ça ne rentre pas, jamais de la vie. Oh, je croyais que ça allait rentrer, vraiment. Allez, ça repart, Jaylen Brown, tout seul, Jaylen Brown, faute. Ne te fais pas dépasser, bien joué, les switches défensifs sont vraiment très très bien faits. Oh, bien joué, David Robinson, quel défenseur. Il va ressortir là, jamais de la vie, jamais de la vie, quel rebond de Jaylen Brown. Jaylen Brown, qui va ressortir à droite pour Cameron Reddish, catch and shoot. Ça ne rentre pas, dommage. On mène de 13 points, mais quelle prestation de Jaylen Brown, prestation XXL. Jaylen Brown, tout seul. Jaylen Brown, t'es tout seul, ça doit rentrer ça normalement. Jaylen Brown en takeover. C'est de l'argent dans le coffre. Non, 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 non. Allez, vas-y. Bien joué, quelle interception. Où est Jaylen Brown? Jaylen Brown encore le takeover. Tout seul, Jaylen Brown à 45 degrés. Et ça rentre. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. La Jaylen Hype. On appelle ça la Jaylen Hype. Il était incroyable des deux côtés du terrain. Et ce shoot à 45 degrés a vraiment mis en run notre adversaire qui n'a pas terminé la partie parce que Jaylen Brown était tout simplement trop fort. Trop fort. Allez, afin de compléter cette vidéo review de Jaylen Brown, on va compléter un peu le gameplay de celui-ci en triple menace. Je sais que le triple menace ne veut pas vraiment dire grand-chose, mais comme on a fait de l'unlimited déjà quasiment pendant une bonne mi-temps, on va compléter ça avec quelque chose d'un peu plus fantasque pour que ça soit flashy, qu'on ait vraiment des choses fantasques. Allez, grosse défense de Jaylen Brown. Le laisse pas passer, le laisse pas passer, malgré le désavantage, malgré le mismatch. Allez, reste sur tes appuis. Saute pas, saute une deuxième fois, bien joué, bonne défense, bien joué, excellente défense, ça repart. Il croit que je shoot avec Curry alors que je shoot avec Jaylen Brown, tout seul. No way, reviens, reviens, repositionne-toi, t'es tout seul, il me colle pas, je shoot à 3 points, et ça rentre, Jaylen Brown, bang, bang, bang. Allez, le rebond, la passe décisive de Stephen Curry, excellent. Allez, bâche-le, bâche-le. Bien joué, excellente dissuasion, ça ressort. Corner, bien joué. Oh là là, c'est magnifique. Juste avant de partir en vacances. Tu veux que je shoote avec Curry ou quoi? Tu veux que je shoote avec Curry? Oh. Oh là là, le premier pas rapide. Tout en simplicité, tout en efficacité, j'ai envie de vous dire. Jaylen Brown. Oh, snatchback. Jaylen Brown for free. Yes, sir, le snatchback. Oh, le takeover. Qu'est-ce que tu vas faire? 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 Oh. Une fois, deux fois. Oh là là, du milieu de terrain, Dumiliano del Terrano. Jamais. Oh, bien joué la défense, bien joué la défense. Grosse défense. Heureusement qu'il a bâton sauteur en Hall of Fame. Bâton sauteur en Hall of Fame, incroyable. Ouais, il a de la réussite. Il a de la réussite, le coquin, il a de la réussite. Balle de match pour Jaylen Brown. Balle de match pour Jaylen Brown. Oh, Jaylen Brown, une fois. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu sautes? Jaylen Brown, une fois. Jaylen Brown, deux fois. Oh, Jaylen Brown. Jaylen Brown du milieu de terrain. Ouh!
Jaylen Brown from half court, baby. Jaylen Brown from half court. Unbelievable. On a marqué tous les points avec Jaylen Brown. 22 points. On a fait vraiment un match parfait. On a tout rentré. On n'a rien raté. Il était incroyable. Sur les 6 tirs à 3 points qu'il a pris, il en a pris 2 du milieu de terrain sous takeover, mais du milieu de terrain quand même. Comme vous avez pu le constater, lors de ce gameplay, aussi bien en unlimited qu'en triple menace, Jaylen Brown est vraiment très habile, balle en main. Un gros défenseur sur l'homme, un vrai harceleur. On dirait un Tony Allen de son époque. Il est vraiment partout sur toutes les lignes de passe. Au rebond, il peut choper pas mal de rebonds. Bref, un vrai cauchemar si vous parvenez vraiment à bien le maîtriser. Au shoot, comme je l'ai dit, son shoot est assez lent, mais une fois que vous le maîtrisez, bellissimo. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Comme je le dis, je le répète, ça va nous permettre d'avancer et de gagner en visibilité. Dans la barre des commentaires, dites-moi si vous-même, vous avez déjà débloqué Jaylen Brown. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Instagram. N'hésitez pas à venir sur Twitch, on stream tous les jours. La PS5 n'est pas encore là, elle ne saurait tarder. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez prudents. Et comme on dit chez moi, God bless. Peace.